quand j'étais petite, à l'avant du premier Tara, le Tara 1, j'étais toujours à cheval à l'avant du bateau, à regarder la mer, à manger la mer. Et maintenant, je suis à bord de Tara, à Paris. Tara est ici pour la COP21 et c'est pour nous un grand honneur, puisque Tara fait maintenant partie des missions soutenues par l'ONU, en tout cas officiellement soutenues par l'ONU. Plein de laboratoires dans le monde sont intéressés par ce que nous faisons à bord, par les recherches des scientifiques qui sont extraordinaires et qui ont su se servir de cet outil que peut être Tara, un outil pour contempler le monde, le comprendre, essayer de l'améliorer avec tout le monde. C'est ce qu'on espère. Une grande prise de conscience mondiale, de réparer ce qu'on a abîmé. On nous avait parlé du paradis terrestre. C'était le paradis terrestre, alors essayons de le garder. Welcome to Gunship. On est ceux qui auraient pu intervenir, on est encore nous, on est encore ceux qui auraient pu faire quelque chose et qui finalement n'ont rien fait. Ah, si vous parlez de questions écologiques, alors ça ne vous concerne pas. Comme on le faisait encore au siècle dernier, parlant de l'environnement, c'était de l'autre côté de la baie vitrée. On pourrait parler d'une profonde mutation de notre rapport au monde. Exactement, voilà. Là, le cœur reprend. Oui, on pourrait parler d'une profonde mutation de notre relation au monde. Oui. Ah. On pourrait pas.